Wesh, mais c'est mon véhicule, je viens de l'acheter. Regarde, mais arrête. Comment ça, wesh? Possédé par... Attends, possédé par qui? Par Big Nose. Bah oui, c'est à moi. Et wesh, attends, descends pour voir si je peux monter. Attends. On me l'a faire à moi. Wesh. Mais non, en fait, lâche-moi, je veux voir les meufs. Allez, on y va. Let's go. On peut pas monter à deux, on peut pas monter à deux, regarde. Eh, les gars, vous savez pas. Mais Prince, cet après-midi, il va marre la vallée pour Mickey. Parce qu'il doit des... Parce qu'il me doit des sous, fils d'up. Voilà. À chaque fois, je suis rentré au parc. C'est grave. Ce bâtard m'a jamais rencontré. Dans la tête, comme ça. Zdeuf. On devrait me payer pour aller à Disney. Mais non, c'est faux. En fait, ils l'ont appelé faire le cosplay de Pluto. Parce qu'il a la... Attends, Pluto, c'est Liinche. Espèce de sale bâtard. Toi, ils vont t'appeler pour faire le cosplay de Picsou. Oui, bah tu oui. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire que je suis radin. Ouais, mais je suis blindé. Voilà. Ouais, mais je suis blindé. Bon, Roya, la ferme s'appelle la ferme des grands nez. Donc, Non mais pourquoi, Inès? Pourquoi? Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? En 2023, ça me... Est-ce que tu peux me rejoindre? Est-ce que tu peux me rejoindre? Pourquoi? Est-ce que tu peux me rejoindre? Est-ce que tu peux me rejoindre? Est-ce que tu peux me rejoindre? Mais c'est grave. Voilà que c'est grave. 9h du soir. Attends, ce qu'on vous a pas dit. Non, il est pas 9h, il est 10h11. C'est un menteur. Il est 10h11. Jusqu'à minuit. Non, c'est faux. Voilà que c'est faux. Il a dit jusqu'à 10h, on a essayé de jouer. 10h15. Je les vois pas, les grands nez, moi. Voilà. Voilà. Non, mais si, tu le vois. Mais moi, je le voyais. J'ai des points d'exclamation à côté. Tape grand nez, GR. Tu jures, tu vas le voir. C'est obligé. Moi, tout à l'heure, je l'ai vu quand je suis sorti. Ouais. Gros ensilivage, venez. Non, grand nez, Nez. Voilà que je l'ai pas, Mais Roya, mais attends, mais wesh, mais je vais péter un câble. Ok, il y a un mot de passe, d'accord, aucun mot de passe, non, oui, et aucune partie complète, oui. Mais Roya, juste croisé. En haut, sur le fil, tu tapes grand nez directement. J'ai tapé ça, Roya, Oh la pute. Hey, balabengango, hingango. Je t'attends à la station d'essence. Hey, wesh, le voisin, ça va ou quoi, sale bâtard? Wouah, il a même pas de pupille. Nike a rejoint. C'est qui ce fils d'up? C'est moi. C'est qui ce fils? Y'a Nike qui a rejoint. T'es où là? C'est moi. Comment ça, c'est toi? Je suis là. Regarde, c'est moi là, regarde bien. T'es prêt? Ouais. Attends, mais je t'entends double. Et salut. Oh non. Salut mon gars. Ça va? Ta gueule. Bon, c'est à dire quoi, je suis venu voir. Non. C'est à dire quoi, je suis venu voir travailler quoi. Oui, d'accord. Oui, ça, ta gueule. Travailler quoi, ça compte l'odeur, Là, on m'a dit, il y a beaucoup de blancs, des femmes de blancs. C'est bon, je t'ai muté. On m'a dit aussi, Marias, exclure, signaler, je vais t'ignaler, allez, hop, c'est bon. Allez. Nom de joueur, signalez-moi. Message vocal. Attends, wesh, on a mis 15 ans à truc, tu veux signaler, sale bâtard. Allez, hop, message vocal inapproprié. Clochard. Mais wesh, j'ai mis ma plus belle boutine. Oh là là, mais c'est, allez, c'est très raciste hein, quand même en 2023 de faire des accents, ça je dis rien. Ah ouais? Ah ouais. Tu crois sur GTA? On a plus le droit de rien dire, ça, on arrête de faire des vidéos. Alors attends, dès qu'on parle de ça, ça y est, dès qu'on parle de ci, ça y est. Allez, on va faire en c***er. Bon, tu t'y connais un petit peu en farming? C'est mon métier. Ah ouais? Mais t'es où toi? Oh là qu'il y a une autoroute, il y a des gens et tout. Mais ouais, mais t'as cru que c'était GTA ou quoi? Oh là qu'il y a des gens et tout, viens. Oh, je t'appelle Windows, sale bâtard. Windows. Voilà, il s'appelle Windows. Eh, reste que la main, je vais te découper, sale chien, moi. Ah, viens là. Attends, on est dans Dead by Daylight, tu sais comment, wesh. Excusez-moi. Voilà. Tu vois comment je vais vite. C'est bon, mon chéri. Attends, je fais du stop, voilà. Voilà, viens là. Ça va ou quoi, toi? Donne-moi ton numéro, je te découpe. Attends, mais tu parles à qui là? Donne-moi. Ah, la meuf? Tu as pas de meuf? Ah ouais, non, y a pas. Ah ouais, ok. Bon, attends, frère, il faut que je me rappelle. Viens nager. Mais t'as cru que c'était GTA, voilà. Mais attends, mais voilà, c'est plus beau graphiquement que GTA. Ça, c'est un lac, ça. Viens, y'a un train. Y'a un cours d'eau de 4 cm, t'as dit, wow, le lac. Voilà, imagine, le mec il est là. Fermier de merde. Mes vaches, elles donnent plus de lait. Il a rien à branler, j'attends le train. Je suis en banqueroute. Ouais, je t'en dirais ta vie un peu là, wesh. Heureusement, y'a pas de train, qui passe. Ferme-la. Allez, viens. Roya, maintenant qu'on a réussi à se connecter, il faut qu'on arrive, Roya, à au moins prendre un véhicule. Il y a des reflets et tout. Ça, c'est RTX, ça. Viens, un véhicule là-bas, viens. On va aller voler un véhicule. Viens. Traverse le lac. Putain, ouvrez-moi comment je vais vite. J'ai entendu un véhicule. Viens. Oh, là qu'il y a des véhicules. Viens, on crochète, là il faut crocheter. Attends, mais c'est pas GTA, sale bâtard. Faut crocheter. Regarde, c'est les flics, regarde. Mais regarde, c'est les flics, wesh. Comment ça?
Mais comme ça. Ouais, j'ai se fout de ma gueule ou quoi? Attends, il y a un véhicule. Ok, tout droit, tout droit, tout droit. Véhicule, véhicule, tout véhicule. Droit, vas-y, véhicule. Ah, c'est là-bas la concession. Il y a la concession. Attends, mais ouais, wesh, c'est bon, c'est bon. Yes, dude, pass. Mais casse-toi, j'achèterai pas votre passe. Wow. Bande de fous, bah. Vous êtes des ouf. Tu joues au jeu, mais t'as pas envie d'acheter. Mais t'es vraiment un clochard. Hein. J'ai rien à voir. Mais c'est pas que j'ai pas envie. Bah, tout, ça, pas. Tout ça, c'est à moi. Tout ça, c'est à moi. Tout ça, c'est à moi. Oh, le délire. Tout ça, c'est à. Ah oui, je me rappelle, on avait foutu Rowena ici. Oh merde. Oh, le délire. C'est attends, vrai. C'est quoi ça? J'avais oublié, putain. Oui, c'est à qui ça? C'est à moi. Voilà qu'on peut rentrer dedans. T'es mort. Voilà, on est bien. Voilà, bon, on est bien. Théma, écoute. Ouais, ouais, on est là, on est ensemble. Comment t'as fait? T'as capté ou pas? T'appuies sur E pour rentrer. Bah, ça veut pas. Bah, oui, parce que t'es pas dans ma ferme. Eh oui, oui, j'arrive pas à t'inviter dans ma ferme, c'est pour ça. Attends, mais je fais comment moi? Jamais je vais rester à pied. Bah, voilà, je t'ai dit. Jamais un caméraman, je vais te regarder comme as. Ah, bah oui, bah, tu sais quoi? Eh, fais ta vidéo. Moi, mais regarde là-bas, je vais. Crée ta ferme, regarde là-bas, regarde derrière toi. Mais crée ta ferme. Regarde derrière toi. Allez, fais ta vidéo, moi, je vais à l'église. Mais crée ta ferme. Ok. Tu cliques sur bah je sais pas. Allez ma ferme, rejoins la ferme. Ah ouais, voilà. Bah vas-y. Mot de passe. Mais attends, mais il me demande un mot de passe, frère. Bah fais un 2-3-4, mets 2-3-4. J'ai mis, ça marche pas. Ah, 1, 2, 3, 4. Ça c'est con ça. Putain. Con ça. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est con ça. Moi j'étais en train de me fourrer ou je rêve. Attends, mais c'est un délire ça. Mais comment je fais pour t'inviter? Attends, tu veux ma troisième jambe ou attends. Comment? Il faut qu'on a. Attends. Putain, ah, j'ai trouvé. Règle un problème, il y a un autre problème. C'est bon, je sais. Dans le chat, c'est marqué dans le chat. Ta gueule, cloche. Allez, moi j'y vais. Attends, on se rejoint à l'église. Mais attends, ah c'est bon. C'est quoi? Renvoyer en tant que gérant de la ferme. Ah, je peux me renvoyer moi-même. Ah, t'as vraiment plus rien à perdre quoi. Ah, peut-être que si on crée une nouvelle, non? Vas-y, crée une nouvelle. Vas-y, ma ferme. Vas-y. Crée une nouvelle. Moi aussi, okay, j'en crée une nouvelle. C'est bon, ok, quitte la ferme. Ok, c'est bon. Ça veut dire que là, normalement, je peux plus monter dans le truc là. Vas-y. Oh là là, je peux plus monter. Vas-y, rejoins. Wallah, ça y est. T'es avec moi là, t'es avec moi. Rouillard, il y a des trucs. Vas-y. Non, mais ouais, attends. C'est bon, on est ensemble. Attends, j'ai un véhicule. On est les agriculteurs les plus heureux du monde de travailler. J'ai un véhicule. Vas-y, achète. Vous pouvez récupérer votre achat dans le magasin. C'est bon, Rouillard, c'est bon. Wesh, mais c'est mon véhicule, je viens de l'acheter. Rouillard, mais arrête. Casse-toi, sale chien. Comment ça, wesh? Casse-toi, c'est à moi. Possédé par qui? Par Big Nose. Bah oui, c'est à moi. Et wesh, attends, descends pour voir si je peux monter. Attends. On me l'a faire à moi. Wesh. Mais non, en fait, casse-toi, je veux voir les meufs. Allez, on y va. Let's go. On peut pas monter à deux, regarde. Attends, mais c'est éclaté, tiens. Bah ouais, non, j'en prends un pour toi. Essaye, j'en prends un pour toi. Tu vas me sortir de la merde. Mais voilà que non. C'est sérieux, toi? Vas-y. Bah alors, dis-moi, Jamy, ce serait pas le grand nez après ça? Oh merde! Non! Ah, c'est bon. Waouh! Trop stylé. T'es travaillé, non? Ouais, y'a des contrats. Allez, viens, on va chercher des contrats. Bah attends, les contrats. Arrête, wesh! Attends. Mais ma bagnole! Bah, c'est ma bagnole! C'est qui paye? Ouais, allez, on y va. Alors attends, Roya, viens. Viens. Fermer les commandes sur ta gueule! Wesh, attends. Oh, il m'a vénère là. Ouais, j'étais obligé de le sortir. Attends. Alors, c'est un ouf. Il y a des contrats, regarde. Alors, il faut labourer le champ neuf. Ah, j'essaie ça. Labourer le champ neuf pour assouplir la terre et préparer pour les cultures suivantes. Regarde. Viens, on fait celui-là. Accepter le contrat. Alors là, on a accepté le contrat champ numéro 9. Donc, il faut un tracteur rouge et une moissonneuse batteuse. Attends, je vais voir. Vas-y, sors. Après, on y va? Ouais. On va aller travailler. Voilà. Attends, mais ils disent même pas ce qu'il faut là. Utilisez votre équipement. Mais comment ça s'appelle ça? Ah, c'est celui-là qu'il faut. Ok, Roya, c'est bon, j'ai acheté un tracteur. 1 million. Ta gueule, j'ai acheté un compte, j'ai acheté un truc, Roya. Et il faut moissonneuse, batteuse, je crois. Faut assouplir la terre. Ok, attends. Attends, je crois que j'ai trouvé. Le délire. Ouais, mais commence pas à acheter tout et n'importe quoi, acheter à l'œil, hein. Roya. Non, Roya. J'aime pas. Oh, tu non. Tu me fais confiance ou pas? Bah, clairement pas. Quel moment je vais te faire confiance? T'es sérieux, toi? Roya. Moissonneuse batteuse, je l'ai, elle est là. Je la prends. Ouais, mais attends, mais t'as regardé comment elle était? Ouais. C'est une moissonneuse batteuse. En fait, non, mais en fait, c'est un truc rouge et jaune. Regarde le champ. Le contrat pour le champ 21. Ah, c'est une. J'ai capté, c'est une remorque. Je sais pas comment ça s'appelle, croyez-moi. Ah, c'est bon, je l'ai. Vas-y. C'est bon, vas-y, viens. Regarde, viens. Je te montre. Sors du putain de magasin et viens. Viens, je suis là, croyez-moi, je suis en train d'être pété là. Allez, on y va. Là, regarde.
Il faut maintenant, il faut juste qu'on tu montes dans le tracteur et tu l'accroches à ça. Quoi? Tu montes dans le tracteur et tu faut l'attacher à ça. Comme ça après on va labourer le champ 21. Excusez-moi monsieur, mais je n'ai pas le permis. Ben bon, vas-y monte. Vas-y, tu peux le faire, vas-y. Allez, on y va. Vas-y, regarde. T'es prêt? Vas-y. Regarde. Mais regarde, mais faut que tu l'attaches. Bah vas-y, attache-la. C'est à toi de le faire, Mais là dans le cul du truc. Mais c'est à toi de le faire, Oh! Voilà! Oh! T'as réussi, vas-y viens, champ 21. Bah viens. Ouais, viens, on y va. Attends, t'as pris quoi toi? J'ai pris le pick-up. Tourner la charrue. Viens. Tiens-moi. T'inquiète, viens. Mais viens, regarde, viens, tu le feras sur le terrain ça. Sur le rinté, faut qu'on trouve le rinté là. Ah Zaman, on est devenu des on va gérer un four avec ça. Ok, d'accord, vas-y. Bah sûr, vous trouvez le rinté là. Le 21. Ah le 21, il est juste là, regarde, il est juste là. J'arrive. Je fais demi-tour. Première à droite. Je suis ton homme. Vas-y, viens. Attends, y'a des bagnoles. Ouais, j'étais lent. Viens, attends, c'est juste là. Attends, mais ouais, c'est pas conduire lui, le char va. Ok, j'arrive. C'est là-bas. Ouais, c'est là, c'est. Ah putain, j'ai pas vu. C'est ici, sur 21, regarde. Là où je suis là. Tu vois quand j'arrive. C'est ici. Ok. Attends, comment je fais pour descendre la voiture? Attends, ça amasse pas. Déployer voiture. Wesh. Attends, mais c'est en transformation, c'est quoi? Vas-y, bon, c'est bon, Dieu. Vas-y, déploie la charrue. Attends. Oui. Pourquoi c'est toi le chef? Mais parce que c'est moi qui ai les fonds. Ouais, il est jamais content. Vas-y. Déploie, je suis en train de faire. Wouh! Attends, ça fonctionne? Ouais, ça, je suis en train de niquer le terrain. Non, putain, non. C'est pas ça qu'il faut. Je suis en train de niquer le terrain. Ah, c'est bon, 1%. C'est ça qu'il faut, Regarde, Ernest. Vas-y. Ouais. Ok. Attends, j'ai une question. T'es en train de tout baiser. Attends, mais je vais ramener un tracteur aussi, bouge pas. J'arrive. Attends, regarde, j'ai une question. Oui? Faut faire tout ça? Ah oui. Attends, regarde, je vais juste niquer 2-3 corbeaux là. Fils de pute de. Ah, barrez-vous de là, c'est mon terrain, les gars. C'est mon putain de terrain. C'est un délire. Vas-y, je vais chercher un tracteur et on arrive. J'arrive, ok. Mais ouais, mais ça, je vais le faire en live, ça, quoi. Je vais le faire normal. C'est un jeu chill. Ah ouais, putain. C'est un jeu chill. T'as jamais fait ça? De ma vie. De quoi? Genre monter dans un tracteur? Ouais, non, labourer. Non. T'as jamais labouré? Après, non, j'ai jamais labouré. Ah ouais. T'as déjà labouré? Oh ouais. Je parle pas de terrain, mon gars. Attends, quoi? Ah ouais. Bah, t'es trop jeune, wesh. Wesh, elle était trop jeune. Non, toi, t'es trop jeune pour. Wesh. Ouah, le délire. J'ai dit, wesh, je suis avec Walid ou. Wesh. Non, je rigole. Tracteur. Détacher, agrandir, choisir la caméra. Caméra, ferme ta gueule, wesh. Ouah, là que je suis à l'intérieur. 125 000, pour là. Hé, Rouya, tu l'as fait la caméra à l'intérieur? Ben oui, je l'ai fait. Ben là, putain. Ouah, le délire. Hé, regardez les mecs, comment c'est trop bien. Où est-ce que je l'avais trouvé déjà le truc là? Eh hey, mais ça avec un volant c'est trop bien non? Ouais, t'as avec un volant c'est bien. Ouais, ça va être pas mal en vrai. T'as pas un volant chez toi? Ouais, dans le débarras. Bah tu peux pas me l'envoyer? Non, le débarras il est grand, j'ai la flemme de franchement. Ah, d'accord. Et si t'as 500 balles, je peux le retrouver comme ça après je te l'envoie. Mais sinon on flemme. Bah c'est pas grave hein. Attends, moi. Bah sinon j'ai une idée à Ness. Hop là, j'arrive bah, mon sinon, salaud. Sinon je viens à Nancy. Je viens le récupérer. Mais non, tranquille, te casse pas la tête. J'arrive, frère. C'est moi, je viens le. Non. Ah mais on sait avec un volant les mecs, ça doit être trop bien. Ouais, ça va être bien, frère. Voilà que c'est trop bien. Tais-moi comment je suis dedans. J'arrive, frère. Mais ça n'a aucun sens ce que tu fais. T'es à gauche, t'es à droite. Mais qu'est-ce que tu fais, putain? Bah vas-y. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah j'espère qu'on gagne bien beaucoup d'argent en faisant. J'en sais rien moi. Wesh, un iPad et tout dedans, wesh, carrément. Levez la charrue. T'arrives? Ah là, je suis en train de travailler de fou là. Wesh, on a fait tout ça, 10%. C'est ouais, tout. Ouais, mais là, on est bien là. Regarde, moi, j'ai acheté un tracteur automatique, il l'a fait tout seul. Là. Hey, il va où? Mais wesh. Wesh, il va où lui? Ah, mais il est con. C'est pas comme ça que ça marche. Oh là, il est con, vas-y, c'est bon. Ah, c'est bon. Moi okay. Je fais ça là comme ça. Okay, voilà. Vas-y. L'ouvrier est bloqué par un objet, mais il est bloqué par son cerveau surtout là. Wesh. Avance. Travaille. Voilà. Oh, on est bien là, 13%. Attends, on va gagner là l'argent, on va gagner 3000 euros, regarde. 3000 euros, mais on a dépensé 350 000 euros. C'est pas rentable ce délire, là que c'est pas rentable. Non, c'est pas rentable d'être agriculteur. Hein. Ouais, je comprends pourquoi ils font des émissions sur M6 pour baiser. Hein. Ils veulent perdre du temps. C'est un truc de ouf. Ça va, toi? Les agriculteurs, ça grosse force à vous. Va travailler, toi, sale bâtard, va. T'as cru que j'étais ton ouvrier ou quoi? C'est bon, ouais, je travaille. C'est bon, je travaille.
Tiens-moi où il est. Tu me vois? Mais bah bien sûr que tu... Non mais tu fais quoi là? Ça va ou quoi? Wesh. Ça travaille bien? Non ça va pas, va travailler. Mais ouais, comme ça, c'est moi le patron, ferme ta gueule. C'est moi le patron, c'est moi le patron. Clodo. C'est moi le patron, c'est moi le patron. Tu pourrais faire l'émission L'amour est dans le pré, toi? Bah non wesh. Sérieux? Pourquoi j'aurais fait L'amour est dans le pré, couillon? Mais est-ce que t'as déjà fait L'amour dans le pré? Non, jamais. Jamais? Non, jamais. Oh, ah, je peux pas trop répondre ça, frère. Tu vois là que t'as déjà fait l'amour? Je peux pas trop répondre à ça, tu vois. Non, mais juste, vas-y, dis la vérité. Oui, mais pas avec un être humain. Attends. Non, mais tout seul, je l'ai fait tout seul. Ouais. Eh oui, t'as compris. T'es les bras. T'avais compris quoi, toi? T'avais compris quoi? Ah, moi, je crois que t'avais pris une vache, sale mais bâtard. Mais t'es malade, une grosse ou quoi, vache, t'as ouais. Soulevé, c'est... Et wesh. Mais en fait, moi ce qui m'excite dans les... Moi, quand je vais dans un champ, ce qui m'excite, c'est les pâquerettes. C'est un truc de ouf. Et je peux pas. Je sais pas, c'est plus fort que moi. Je suis obligé de baisser mon pantalon et me connecter à la terre. Tu vois ce que je veux dire? Je creuse un petit trou, je me fous dedans et ta-ta-ta-ta-ta-ta comme un lapin. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. T'as capté ou pas ce que je veux dire? Attends, c'est. Genre, c'est normal, genre là, ce que tu dis. Genre, pour toi, là, c'est normal. Bah, qu'est-ce que quoi? T'as jamais fait ça? Je mets des coups de cèpe à la terre, quoi. Je crie des terriers, quoi. Genre, ils disent, ouais, c'est les sangliers, c'est pas des sangliers, c'est un putain de cochon et c'est moi. Ah ouais, non, mais attends, mais là t'as dit. Attends, mais c'est Farming Simulator ou Confessions Intimes? Mais wesh. Ouais, c'est quoi le truc le plus sale que t'es fait, toi? J'ai chié dehors. Ah ouais? Ouais, j'avais envie de chier, j'étais petit, hein. Mais c'est pas sale, ça, c'est naturel, ça, quoi. C'est la nature. Bah non, c'est sale. Non, tu peux pas dire. Mais non, tu peux pas dire que c'est sale. Ouais, c'est naturel. Toi, c'est quoi t'as fait? Qu'est-ce que tu entends par sale? C'est ça aussi le truc. Genre, comme toi, tu l'avais entendu. Non, moi, je suis un mec halal, moi. Moi, je vois pas de quoi tu parles, hein. Moi, je suis un mec tranquille, hein. Un mec halal qui me fait des trous qui est excité par des pâquerettes. Voilà, c'est grave. Mais pas que. C'est grave. Rouya, j'ai une idée. Quoi? Moi, je vais à côté de toi et je fais ça, là. On fait double truc, regarde. Vas-y. Voilà. Attends, là, on a combien? Attends, mais toi, c'est bien droit, par contre. Bah oui, moi, je suis un mec droit, Rouya. Je suis droit dans mes bottes. Toi, Rouya, t'es droit dans ta. Ok. Mais là on rejoint vraiment ta vraie vie, quoi. Tamara, gros travail pour R. Exactement. Zéro thune. Exactement. Là, c'est vraiment ma life, là, quoi. Là, c'est la vie de prince, là. Il a labouré toute sa vie. Pourquoi? Bah, pour voilà, rien, putain. Pour rien. T'aurais le choix de changer un paramètre de ta vie, t'aurais changé quoi? Tout. Mais comment ça, tout, wesh? Bah, tout. Tu dois choisir. Ma pauvreté, voilà, j'aurais changé cash. Ouais, t'es pas pauvre, quoi. C'est une pauvreté relative. Arrête de dire n'importe quoi. Ah ouais? Bah oui. Tu viens avec moi, toi? Tu es avec moi, toi? C'est toi qui as une putain de bouche à nourrir? Oui. Ah ouais, j'ai deux bouches et trois bouches à nourrir. Ah ouais, c'est plus vrai, la c'est mienne, vrai, quatre, putain de merde. Tu crois que t'es le seul à avoir une famille? Eh, commence pas à me chauffer, sinon j'appelle la SPA, ouais, tu vas voir, ils vont t'embarquer. Je me casse la SPA, sale bâtard, va à la SPA pour les animaux. C'est un ouf! Eh, ouais, attends, ton fils, du coup, il a eu quoi pour son cadeau d'anniversaire? Ouais, hier, il a eu 9 mois. Ouais? Bah, il a eu un bisou. Attends, t'es sérieux là? Oh. Non, mais t'es pas sérieux là. Tu lui as acheté un truc? Bah, tu sais quoi? Bah, tonton Nas, il va lui acheter un truc, c'est bon. Comme ça, quand il grandira, ce sera moi son père, il va m'appeler papa. Ouais, il va m'appeler papa, je vais le soudoyer, ton gosse. Comme ça, il m'appellera papa. Sugar Daddy! Hein? Wesh. Attends, quoi? C'est quoi la définition de sugar daddy? Ouais, c'est papa sucré au sucre. Ouais, mais attends, mais pour un enfant, c'est différent. Comment ça, sugar daddy? Jamais tu vas rincer mon fils. Mais non, je vais lui offrir des barbes à papa, je vais lui faire plaisir. Oh, ouais, tu vas le rincer. Gaga, un papa gaga, un tonton gaga. Et comme ça, quand je lui ferai ouvrir une chaîne YouTube, et je toucherai 80% de ce qu'il gagne. Jamais de la vie. Mais pourquoi? Jamais de la vie. Mon bah fils, vas-y, 90% alors. Mon fils, c'est football ou rien. Football ou rien? Bah, ça sera plus rien alors. Hein. Mais toi, t'es con, toi. Dans 10 ans, ce sera démodé le foot. Sera démodé maintenant, ouais. Bah oui. Dans 10 ans, c'est quoi le sport, ouais, qui va rapporter le plus? J'ai lu une étude. Le buvage de jus de couille. Ça, c'est la nouvelle discipline. Du buvage du jus de couille? Non, attends, NS. Là, vraiment. Là, tu dérapes. NS. Là, tu dérapes pas que dans le pré, frère. Tu sais, je vais te dire un truc. Non, mais je pense qu'à un moment donné. Il y a l'émission L'amour est dans le pré. Ouais. Toi, si tu devais faire une émission. Mais c'est tout prêt. Je suis sûr que tu l'aurais appelé La baise est dans le pré. Non, la prison est tout prêt. La prison est tout prêt. Ah ouais, là aussi. Est-ce que tu penses un jour aller en prison, toi? Ça va pas, non, là, c'est ça, wesh. Mais wesh, mais dis Inch'Allah, t'es sérieux, toi? Pourquoi Inch'Allah? Mais comme ça, tu vendras mieux, Roya, tes disques de musique, là, sur Spotify. T'auras une vraie crédibilité, Roya. Ah ouais, Prince, il est parti en prison. J'achète direct. Après, t'es pas ambitieux. Ouais, je crois que Tupac, Roya, avant, il faisait des tacos, Roya, avant qu'il aille en prison. Il faisait des tacos, une fois qu'il est sorti de prison, Roya. Mais il se mangeait des bastos, c'est pas la même chose, Roya. Et une fois qu'il s'est mangé des bastos, il les a digérés, et ça a fait des CD de fou, ça a fait des trucs, des légendes, il a fait des musiques de légendes. Cite-moi une musique de Tupac. Oh, comme si... Oh, no, no change. Je n'existais pas. Pas, tu me mets. Mais non, n'importe quoi. I need you change.
Hansi McGee's in the bus, think the bus to me. Attends, ça c'est Tupac quand il avait anglais LV6 ou quoi? C'est quoi ça, Khoya? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout. Ouais, tu t'es arrêté à quelle année du primaire, toi? T'as arrêté l'école à quelle année? Tu penses quoi des hommes qui aiment les hommes? Les homosexuels? Ouais. Mais ça veut dire quoi? J'en pense quoi? Est-ce que j'ai une haine contre eux? Qu'est-ce que tu penses de cette philosophie de vouloir aimer les hommes? Moi, je pense qu'on est libre de baiser ce que l'on veut du moment qu'on dérange pas la liberté des autres. C'est-à-dire que moi, si j'ai pas envie de me faire baiser, bah, personne me baisera, tu vois. Sauf l'État. L'État, tu peux rien dire. Ah, l'État, ils s'en foutent, hein. Ah, eux, ils s'en battent les steaks, hein. Tu sois homo ou pas, ils te baisent. Mais moi, non, moi, j'ai une certaine ouverture d'esprit, hein. Je m'en fous, moi. Moi, du moins qu'on m'impose rien, moi, franchement, ça me va. Je m'en tape le coquillage. Chacun ses libertés. C'est comme si tu me dis... De l'importance de la femme dans la vie. Déjà, elle est importante, cette question. Parce que tu mets le mot important. Donc, qu'est-ce que je te dis? La réponse est dans la question. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Ouais, tu veux me piéger ou quoi? Tu veux me baiser? Tu veux que je finisse dans une émission de Thierry Ardisson, c'est ça? Pas du tout. Bouge de là. Mon tracteur, c'est toi qui l'as payé. Travaille, wesh. Mais ça va pas, non. Travaille. J'ai compris, ça c'est notre Power Wash simulateur. C'est ça, mais sans les tweets. Bah vas-y, d'accord. Sans les tweets. Et là, Roya, ça va, on a la moitié, Roya, on a 53%. Ça va vite, Roya. Ouais, c'est ce que tu crois. Donc, pour répondre à ta question, dis-moi plutôt qu'est-ce que j'en pense des femmes. Pas qu'est-ce que t'en penses de l'importance des femmes. Qu'est-ce que tu penses des femmes? Ouais, mais là, tu vois, tu me copies. Donc, je pourrais pas répondre à la question. Ah, d'accord. T'as un très mauvais intervieweur, toi, c'est abusé. Qu'est-ce que tu penses d'Éric Zemmour? Éric Zemmour? Oh, on le voit plus! Il me manque! Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, t'entends Zemmour! Bah, si, il était ressorti durant les manifestations des gens. Mais je m'en bats les couilles. Moi, par contre, j'ai une vraie question à te poser, Roya. Qu'est-ce que t'en penses de l'échec scolaire? Parce que là, on touche vraiment au sujet qui te concerne. Toi, Roya, t'as arrêté l'école en quelle année de primaire? En BTS. BTS quoi? BTS négociation relation clientèle. Oh, vas-y, arrête. Même l'intitulé, tu l'as pas compris, Roya. Qu'est-ce que tu négocies, toi? Non? Ouais, je t'arrive même pas à négocier des OP, qu'est-ce que tu me racontes, wesh? Roya, quand j'ai vu que c'était pour travailler rayon surgelé toute ma vie, j'ai dit non. Attends, négociation pour négocier avec des poissons panés? Mais c'est quoi ce délire là? J'exagère un petit peu, Agnès. Sors un petit peu, ouvre ton esprit. Ok, excuse-moi. Mec fragile. Bah, je sais pas, esprit. Tu m'as dit vente de surgelé. Mec fragile. Wesh. Mec fragile. Mais ça y est. T'as travaillé dans quoi, toi, Agnès? Dans rien. J'étais étudiant. Tu vois, t'as pas connu ça. Attends, j'ai pas fini. La vraie discipline. Ferme ta gueule, moi j'ai fait la guerre, moi, Roya, wesh. Moi j'étais à l'armée. Quelle guerre? Call of Duty, que j'étais à l'armée, mais je peux pas en dire plus. Ouais, j'ai fait l'armée. L'armée d'Arabie Saoudite? Non, c'est une armée. L'armée de la Syrie? Non, c'est une autre armée. C'est une armée. Avec le drapeau noir? Non, arrête! Bah, j'essaie de demander, me renseigne, excuse-moi. Je peux pas en dire plus là sur YouTube, je peux pas en dire plus. T'as fait la guerre 39-45, sale bâtard. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu faisais partie des mecs avec Adolphe. Mais wesh! Oh, l'enfoiré. Mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Oh, le délire. Après, il me dit, ouais, c'est moi qui dérape, c'est grave. Vas-y, je dis peu. Ah bah excuse-moi, on n'a plus le droit de rien dire, excuse-moi. Ouais bah de rien dire comme excuse-moi. Ça, oui. Y'a que moi qui sais déraper, toi, tu sais pas déraper, tu sais drifter que dans la vraie vie, Roya, avec tes gros sabots là, sale pauvre, tu me dégoûtes. Non mais c'est délire. Roya, ça en est où là, l'histoire de Orange, prélèvement et tout? C'est passé ou pas? Voilà qu'ils l'ont pris. T'as découvert là ou pas? T'as combien sur ton compte là? 8 euros je crois. Eh, c'est bon, je te fais un virement. Donne-moi ton RIB. T'as besoin d'argent, je t'envoie de l'argent, Roya. Jamais de la vie. Mais sais, comme si j'allais te faire un virement, mais il est con lui. Bah vas-y, c'est beau quand même, c'est beau d'y croire. De quoi jamais de la vie? T'as jamais rien demandé à personne? Jamais. T'es sérieux? Non mais Roya, en vérité, voilà que si t'es dans la hache, je t'envoie un virement direct. Hein. Roya, est-ce que je pourrais dire un truc? Il y en a, ils pensent que je dors pas, que j'ai des cernes, que j'ai des bleus. Mais les gars, c'est mon eczéma que j'ai sur mon visage que vous voyez là à côté des yeux là. Je me suis tapé contre personne m'a tapé. En fait, en gros, ils sont en train de dire que t'es vilain. Ils disent que je suis un homme battu. Moi, je t'ai vu en vrai. Ils disent que je suis un homme. Vas-y, va jusqu'au bout de tes pensées, vas-y. Bah. Mais attends, on a pas fait. C'est vrai qu'il a il a des problèmes. On n'a pas. Il a des problèmes. Je l'ai vu en vrai, moi, il a des problèmes. Il est qui? Attends. Il est. Quoi? Mais comment ça, il a des problèmes? On parle de quoi là? On parle d'un monstre? On parle d'une créature de Frankenstein? Bah non, mais. Mais franchement, tu sais que toi, t'aurais pu jouer dans la belle. Enfin bref, vas-y Anes. Bah oui, dans la belle et la bête, et toi tu serais la belle, moi je serais la b. La belle et la b. Voilà, et je t'aurais ken tous les jours, sale chien de la casse. Non mais attendez, mais. Tu fous de ma gueule ou quoi lui? Mais attends, dans ma vidéo, moi y'a pas de bip, Rouya. Y'aura pas de bip, y'aura que des b. T'as gagné. Oh mon dieu. T'as gagné. Travaille. Attends, mais tu voulais dire quoi par rapport à l'argent? Tu sais que moi, Roya, tu sais que l'histoire là. Attends, je vais dire un truc, Roya. Attends, là je descends carrément de mon tracteur là, parce que ça me casse les couilles. Tu sais que l'histoire de j'ai dormi dans le lit d'un pote, c'est la vérité. Tu veux expliquer pourquoi ou pas? Parce qu'en fait. Tu veux nous dire aussi les détails? Non, écoute, j'étais en résidence universitaire du mois de septembre jusqu'au mois de juin, tu restes dans ta chambre. Attends, et après, du mois de juin jusqu'au mois de fin août. Qu'est-ce qu'il y a là? De toute façon, même si tu viens, qu'est-ce que tu vas.
Mais wesh, mais laisse-moi parler. Vas-y. Wesh, en fait, pendant l'été, on doit changer de chambre. Parce qu'en fait, il fermait un bâtiment sur deux. Et donc, moi, j'avais pas d'argent pour payer la chambre. Du coup, moi, j'avais un pote. Au lieu de rester 2 mois, il restait genre 1 mois. Et après, il se barrait. Mais pendant les 1 mois où il était là, ben moi aussi, j'étais là. Donc, on faisait moitié-moitié dans le lit. Mais tu sais, c'est les lits de résidence universitaire. C'était des 9 mètres carrés, quoi, les chambres. Donc forcément, le lit, il faisait 1,5 mètres carrés. Et c'est pour ça qu'on dormait tous les deux dans le même lit. Et en fait, lui, Mskin, carrément, il voulait dormir par terre et me laisser dans le lit. Je dis non, oula, que ça se fait pas. Tu viens. Et c'est coma. Et il y avait d'autres mecs. Il y avait des Gabonais aussi. C'est bizarre, il y avait que des Renois, oula. Il y avait un mec qui s'appelait Sadrak et l'autre s'appelait Léonce. Si vous passez par là, bon, on s'est un peu quitté de vue parce qu'après, on s'est embrouillé vers la fin. Mais c'était des bons gars. Attends, et les gars, moi, à l'époque, j'avais 20 ans en fait, et eux, ils avaient 38 ans déjà. Ils avaient 38 ans. Ils avaient un bangala bien comme il faut, frère. On a compris. Bon, alors, donc, je résume. De ce que t'as retenu de tout ça, c'est que les Africains de type foncé noir, de type noir, sont bien montés. Non. Ensuite. Non, c'est pas ça. Attends. Solidarité. En fait, en gros, ils sont solidaires. Dis-le que t'étais dans un camp de réfugiés. Dis-le. Oh. T'as pas besoin de nous faire un. Zama, les réfugiés, c'est que des noirs. Mais non. Voilà, mais t'étais dans un camp de réfugiés. Mais non, c'est pas voilà, ça. Le trade. T'étais dans un camp de réfugiés. Ouais, voilà, le trade. Un clochard. Voilà, le trade. Il nous dit, j'étais là, j'étais dans une résidence universitaire. Arrête de nous mentir. Moi, je vais dire t'étais un truc. T'étais dans un camp de réfugiés. Moi, je vais dire un truc. Moi, j'ai ouais. toujours eu du mal, à part toi, hein, à avoir des potes rebeux. Bon, là, je sais pas pourquoi j'ai eu du mal. Moi, j'ai toujours eu des potes renois et des potes rebeux, mais. Viens, je te serre la main. Voilà que viens. Sur la vie de ma mère, que c'est la. J'ai la même chose. Je me suis toujours entendu. Mais non. Je me suis toujours entendu avec les Sénégalais, Maliens. D'ailleurs, grosse dédicace. Moi jamais. Fili, en plus, moi par Mbo, contre. La famille Sissako, la famille Diarra, la famille Kanté. Mais tout wesh. Ça, on est en bleu sang. Quoi. Mais wesh, attends, c'est Skyrock ici ou quoi, quoi. Tu fais des dédicaces. Quoi, la famille Touré. À la ouais, ça y est, ça y est, bip. Après, wesh. Ils vont se faire harceler, Roya. Ouais, tu fais des. T'as une visibilité, Roya. Bernon BER, zone de guerre, 51-100, ZUP. Zama, il y avait un gang là-bas et tout. Allez, attends, je vais vous montrer des photos de moi quand j'étais au lycée, les gars. La rue 34, allez, Rameau. Mais ta gueule aussi. Et Pernay City Gang. Nah, je fais les gars, photos de moi voilà, en terminale. Photos de moi en terminale. Regardez les mecs. La famille Mejad, la famille Amlal. Photos de moi, gars, regarde. La famille Aït Messaoud. Mais ferme ta gueule. Wesh, j'ai montré une photo de moi quand j'étais en terminale, Roya. Et alors, s'en bat les couilles, ta vie de merde. Mais wesh, gratuitement, comme ça. Ta vie de merde en plus. C'est même pas genre ta vie de merde. Mais les gars, en fait, ça pour dire que. Mon meilleur pote au collège lycée, c'était un Algérien. Voilà, il s'appelait Ryan. J'avais un pote, il était marocain. J'avais un pote marocain syrien. J'avais un pote marocain yéménite. Il y avait que des métis avec moi, là. Que des métis, que des marocains, ouais, quelque chose. Ça, j'ai dit, c'est un camp de réfugiés, quoi. Mais non, mais t'abuses, c'est un truc. Ouais, je suis fier d'être réfugié, ouais. Les gars, ouais. En fait, faut que vous compreniez un truc. Ouais, c'est un réfugié. Ouais, je suis un réfugié ouais. politique. Ouais. Il y a eu la guerre dans son pays. C'est ton pays aussi, hein, mais bon. Voilà, il est un réfugié dans ton pays. Là-bas, tu viens d'où, toi? Norvège, tu viens de Norvège, toi? Moi, je suis un Roumain, grosse dédicace à tous les Roms. Mais c'est quoi le rapport? Mais les Roms sont pas forcément Roumains, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Non, mais. Mais voilà, tu connais rien à la vie. Les Roumains. T'as zéro XP. Zéro XP, il mélange tout. Voilà, il mélange tout. Quoi? Et alors, ça fait de moi un mec pauvre. Est-ce que t'es raciste? Est-ce que t'es raciste? Raciste de quoi? Bah voilà. Je pense qu'on a tous le droit. D'être raciste. On a tous le droit de vivre. Non, de vivre dans cette planète qui est censée être ronde, qui est parfois plate. Pour certains, on a le droit. Vas-y, c'est quoi? Vas-y, imagine que toi, tu penses que la Terre est plate. C'est quoi tes arguments pour me convaincre que la Terre est plate? Trouve des arguments, vas-y. Bah, viens, suis-moi. Vas-y, ouais. Souffle. Espèce de con. Si la Terre, elle serait ronde, tu crois qu'on aurait pu faire ça? On serait déjà tombé. Clochard, va. Allez, on y va. Continue. Ah bête. Ouais, excuse-nous, Newton. Ah ouais, pardon. Ah ouais, Smahli, Pokémon, moi. Smahli, Galilée. Smahli, Galilée, voilà. Ouais, Galilée, c'était le chien de ma voisine. Un gros chien. C'était le gros chien, là. C'était un gros chien. Eh, c'était le chien. Galilée, c'était un chien qui avait à côté de chez moi. Voilà que c'était le chien de mes voisins. Ok, moi je vais te donner sur un dilemme. La tête de Wam, il était trop grand. Ouais. À chaque fois, il posait dans la cour. J'avais peur de rentrer chez moi. Genre, quand il y avait Galilée dans la cour, je rentrais pas chez Wam. Vas-y, pose-moi des dilemmes. Ok. Des dilemmes corrects, hein, pas avec des sexes ou je sais pas quoi. Descends. Wesh. C'est toi qui parles de sexe, c'est pas moi qui parle de sexe. T'as un ouf, vas-y, quoi, vas-y, premier dilemme, vas-y. Premier dilemme. Écoute bien parce qu'il est très important et je veux que tu sois tout. J'écoute. Je fais que ça. On te propose 5 milliards. Mm-hmm. Je répète. 5 milliards. 5 putains de fucking milliards okay. d'euros. Ouais. Mais on te dit, dans ta famille, on doit t'enlever quelqu'un. Ouais. Me dis pas ton oncle Abbès du Maroc et tout.
dans ta famille en France, on doit t'enlever quelqu'un. Acceptes-tu ou non? On doit m'enlever. Mais ça veut dire quoi, m'enlever quelqu'un? On t'enlève quelqu'un, ça y est, on le prend. Ouais, mon oncle à Paris. Ouais, rien à foutre. Mais t'as pas d'oncle à Paris? Mais voilà que j'ai un oncle. Ouais, j'étais sérieux, toi? Attends, mais Skin, s'il voit la vie. Mais il s'en bat les couilles de ma vie, ouais, j'étais sérieux, toi? Mais toi, dans Saut, t'aurais fait un carnage. Attends, mais ouais. Attends, mais... Ah, mais attends, c'est pas un délire. Mais c'est pas un délire, mais c'est pas, mais un, c'est pas un dilemme, regarde, ça. Oh là, tu sais c'est que... un délire, ton truc. Mais pose-moi des vrais délires, des vrais dilemmes, c'est quoi, ça, wesh? Bah, vas-y, à ton tour, non, à ton tour, ouais, allez, à ton tour, moi. À ton tour. Ok, ok, on vient chez toi, on te met un flingue dans la bouche, ok, ok, et on ouais, te dit... Attends, pourquoi tout de suite un flingue? Mais pourquoi on vient chez moi seulement? Non, mais genre, armé? Pourquoi un flingue dans la bouche? Pourquoi tu peux pas t'arrêter à... Il y a quelqu'un qui rentre chez toi armé. Non mais t'es obligé de dire un flingue en ouf. Ouais, mais ça va pour avoir un truc, ça va de une grosse pression. Pour que tu vois, il y a une grosse pression. On te dit soit on bute ton gosse, soit on bute ta femme. Tu choisis qui? On bute moi. Non. Si, non bah moi, si, moi j'ai répondu à la question. Je t'abuse. Alors quoi qu'il arrive. Ta femme ou ton gosse? Réponds. Je veux savoir. Non, impossible. Ah vas-y c'est bon. On change de jeu, c'est bon frère. C'est bon. Oh, ouais, ouais. Vas-y reviens. C'est vas-y, pas un vrai bonhomme. Moi je réponds. Moi j'ai répondu. Wesh. Je garde en vue mon fils. Voilà, donc on bute ta meuf. Attends, je le répète, donc on bute ta meuf, dis oui. Je continue de travailler là, frère. Ah ok, ok, vas-y, c'est ouais, bon. C'est sérieux là. C'est pas ça, il va le cut ouais, dans sa vidéo, j'ai capté, il va le biper. Voilà, il va dire, Roya, ça fait une semaine, je dors en compagnie là. Putain, ça coûte cher à l'hôtel. Ah hein. Non, jamais de la vie, mais t'es un baiser ou quoi? Vas-y, à toi, à toi. Il y a quoi comme dilemme que je pourrais te dire? Moi j'en ai un, moi j'en ai un. Vas-y, vas-y. Même situation, on vient chez toi, on prend un flingue, on te fout le flingue dans le cul et on te pose la question. On te dit. Attends, quoi? Y'a un mec qui vient chez toi, il te cambriole, il te met un flingue dans le cul et il te pose cette non, question-là. Ouais, frère, tu veux pas t'arrêter? Voilà, tu veux pas t'arrêter? Un flingue dans la bouche, un flingue dans le huc. Ouais, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Soit... Que la vidéo elle sera pas monétisée, écoute, on est sur écoute, un simulateur GTA. Soit on bute ton père, soit on bute ta mère. Choisis qui? Entends-moi ta grande gueule là. Voilà que je réponds pas. Wouah! T'es pas un vrai Rajel, t'es non, pas non, un non, vrai Rajel. Juste tu m'as dit ça là, j'ai envie de pleurer. Oh, attends, j'ai un dilemme. Attends, faut qu'on travaille aussi un peu là, wesh. Ouais, vas-y. Vas-y, pose ton dilemme. Ok. Si on te demandait de tout recommencer dans ton parcours YouTube. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu aurais changé? Je pense que j'aurais fait moins de GTRP. Sur ma chaîne principale, j'aurais fait moins de gaming, je pense. Parce qu'à l'époque, tu sais, l'algorithme YouTube, il était pas comme maintenant. Avant, tu pouvais proposer tout et n'importe quoi. Les abonnements, c'est eux qui faisaient entre guillemets l'algorithme. Plus t'avais d'abonnements, plus t'avais de vues. Maintenant, l'algorithme, il a changé. Ton nombre d'abonnés, on s'en bat les couilles. Maintenant, c'est le contenu. Et le contenu actuellement qui fonctionne, Roya, c'est ce qui fonctionne. C'est-à-dire le copier-coller. Sur YouTube, ça sert à rien de créer. Faut juste copier ce qui fonctionne déjà. Donc, je pense qu'à l'époque, ce que j'aurais fait, c'est ouais, peut-être que j'aurais moins écouté mon cœur. Et plus écouter mon portefeuille. T'as capté ou pas les bails? Ouais, je pensais t'allais dire quelque chose d'autre. Wesh. Ah ouais. J'ai répondu à la question ou pas? Ah, j'ai bien répondu. Ouais, hein. Après ton portefeuille, il est bien rempli. Mais arrête, toi, je dirais que je suis milliardaire. Oh, André, tu parles à Elon Musk, wesh. Tu fous de ma gueule ou quoi? Presque. Tu prends n'importe quel youtubeur random sur YouTube, il est plus riche que moi. Ferme ta gueule un peu. Moi, regarde, je sais pas. J'ai aucune gestion de l'argent. Descends. J'ai aucune gestion de l'argent. Descends. Moi, je veux dire un truc. Je vais gifler. Non, je vais dire un truc. Je vais dire un truc. Comment tu parles? Je vais dire un truc. Je vais dire un truc. Moi, j'ai une très mauvaise gestion de l'argent. Tu sais pourquoi? Parce que j'aime pas l'argent. Parce que pour moi, l'argent, c'est un moyen de corrompre le cœur et de corrompre la morale des gens, la dignité à sahbi des gens. J'aime pas l'argent. Voilà que c'est vrai que je déteste l'argent. Moi, mais je veux dire un truc. Moi, je veux dire un truc. Moi, après introspection, ce qui m'a fait percer sur YouTube, c'est ma volonté. Et ma volonté, elle venait d'où? De la hesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je me trouve dans une zone de confort, c'est là où se trouve le danger. Tu fais plus aucun effort. Zone de confort exactement. Est égale plus aucun effort. Ça veut dire que j'ai envie tout le temps de rester dans la hesse pour toujours me donner la niaque et la motivation de tout baiser. Un mec qui conduit un tracteur à je sais pas combien de milliers d'euros et qui a des bottes qui coûtent le prix de ma salle gaming. Enfin bref, tu sais quoi, si t'avais été président avec un dialogue comme ça, tu les aurais tous arnaqués. Bah oui, bah oui, t'es bon, bah t'es bon, oui, t'es bah bon, oui, bon, je suis bon. T'es bon, bah t'es oui, bon, je suis t'es bon, bon. Mon t'es bon dans l'arnaque. Ouais, j'étais presque cru, hein. Mais c'est, je mais, te promets. Mais comme, attends, t'as mais. Deux doigts, la vérité, mais t'as deux doigts de te croire. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais là, j'ai parlé avec mes tripes, avec mon cœur. Ah, c'est bon, on va te faire enculer, c'est bon. Bah, je réponds plus, moi. Deux doigts. C'est un ouf lui. Quoi? Je parle avec mon cœur, avec mes tripes et lui là. Tu m'as insulté. Ton personnage. J'insulte Nike là. D'ailleurs, pourquoi Nike? En fait, Nike, c'est une dédicace à un pote à moi. Ah, vas-y, ça recommence. C'est mais bon, t'as pas de questions si tu vas pas savoir les réponses. Pose pas de questions. T'as déjà eu des potes meufs? Bah oui, frère. Wouah.
Oui, ouais, c'est la base. Wouah, la base, il bah a oui, dit. C'est vrai. Bah, c'est le pote, c'est ma femme. Oh, ferme ta gueule, voilà. Wesh, ouais, mais attends, j'ai pas le droit d'inventer des vraies convictions. Il veut encore nous arnaquer, nous dire ouais, nanana. Genre, lui, c'est un mec idéal. C'est le mec idéal, oui le blédard. Bah, excuse-moi. C'est le mec idéal. Oui, ouais, oui, alhamdoulilah. Oui, alhamdoulilah, oui. Oui, oui, oui. T'es pas le mec idéal. T'es pas le mec idéal. C'est un truc de ouf. T'as fait des erreurs dans ta vie. J'ai fait aucune erreur. La seule erreur que j'ai fait, c'est d'avoir rencontré, d'avoir fait une vidéo avec toi. Ça, c'est vrai. Bon, et toi, Roya, genre, tu comptes remonter la pente comment financièrement? Est-ce que t'as des plans? Est-ce que t'as des petites astuces? Des petits trucs, astuces, des petits tips, des petits conseils? Là, en fait, en gros, je t'explique. Foutu pour foutu. Non. Là, non. Le seul vidéo qui va arriver. Pas le trottoir, non, je vais pas la rue. Je vais ouvrir un terrain. Mais on est déjà sur un terrain, Roya, qu'est-ce que tu parles? Tu vois pas que c'est galère? C'est ça. Mais c'est galère de fou. Je vais ouvrir. C'est galère. Ouais, est-ce que tu comptes faire des vidéos YouTube avec ton fils? Il est petit, là. Ah bah justement, profite. Avant qu'il soit conscient que tu fais de la merde et tout. En vrai, j'ai déjà pensé à ça. Ouais. Mais je me suis dit, imagine mon fils plus tard, il me dit, ouais, pourquoi tu m'as affiché comme ça? Bah alors, tu mets les vidéos en privé, t'en bats les couilles. Ah ouais! Prépare-moi Imran, on va faire toutes les vidéos là! Eh, mets-lui des couches le bambin, j'arrive! Eh, mets-lui des couches, il sort pas de la pièce tant qu'il a pas fait son 35 heures journalier! Y'a pas de toboggan! Y'a pas de toboggan! Voilà! Eh, Imran, aujourd'hui, il dort pas! Pas de sieste! Purée. Aujourd'hui, on travaille! Pas de biberon tant que t'as pas au moins 10 likes sur la prochaine vidéo! Sale fou, va! Putain, et des vidéos avec ta femme, des vidéos avec ta femme! Ça va pas, non! Mais bourgou! Attends, donc tu fais avec ton gosse, mais pas avec ta femme! T'es chelou, toi! Bah non! Ok, avec tes parents! Non, ça y est! Mais faut remonter la pente là! Bon, avec ta famille, le reste de ta famille! Avec le voisin, avec Stéphane! Non, en vrai, Stéphane, il est parti, miskin! Il est parti genre tout là-haut ou il est parti? Il est parti. Je sais pas, il est parti, miskin! Pourquoi miskin? Il est parti dans un tchèque, je crois, ils l'ont mis dans un tchèque! C'est quoi le truc le plus tough que t'as fait de ta vie? Le truc qui aurait pu mériter la prison? Tu t'es pas fait attraper. Là, tu peux balancer, il y a prescription. Sur YouTube, il y a prescription. Braquage, frère. Mais vas-y. Ok, vas-y. C'était quand et dans quelles conditions, vas-y? C'était à Nancy, à 4 ans, 5 ans. Ah, j'étais avec toi. En vrai, j'ai jamais fait des trucs de fou malade. Hein. Tu m'avais dit une fois. J'ai fait des trucs de fou. Dans la cave avec une meuf. Enfin bref. Ouais, mais ça va pas, non? Mais c'est un ouf, lui! Mais c'est un baiser! Mais hey! Non, mais vous avez vu la puissance 4! Voilà non, faut pas rigoler avec les trucs comme vous ça! Vous avez vu la puissance 4! Mais j'ai rien dit! Mais c'est un ouf! J'ai rien dit, wesh! Ouais, mais non, mais c'est pas le fait que t'as rien dit, c'est les trucs que t'as arrêté d'inventer, c'est des choses de merde! Mais j'ai rien inventé! Le char va! Ce que tu m'avais dit, wesh! Wouah! Merde! Wesh! C'est wesh. Un baiser, lui! Est-ce que tu préfères être Xavier Dupont de Ligonnès ou bien Patrick Dils? Mais aucun des deux! Attends, Xavier Dupont de Ligonnès, il a fait quoi, lui? Il a tué sa femme et tout. Ouais, il a eu toute sa femme, mais tranquille, c'est pas. Mais attends, mais lui il a jamais été arrêté, jamais retrouvé. Non, jamais retrouvé. Et en plus, il a des followers sur Twitter. Il en a plus que toi, je pense. Je crois qu'il en a plus que toi. Voilà. Mais attends, les limites, comment on peut follow un mec qui a tué toute sa famille? Mais il y en a, Roya, c'est comme les tueurs en série aux États-Unis, hein. Ils reçoivent des lettres de mariage et tout. Il y en a même, ils se marient avec en prison, Roya, les tueurs en série. Alors que le mec, il a trucidé, voilà les gens. Je sais pas, je pense que l'horreur attire les gens. C'est pour ça que quelque part, tu m'attires. Parce que tu me dégoûtes. Non, c'est pour ça que t'as une vie de famille. Pour ça que t'as une vie de famille. Hein? Bref, mets-toi. C'est la fin de la vidéo. Mais voilà, mais y a pas de fin de vidéo, on finit le truc, il est fou lui ou quoi? On a 99%, ferme ta gueule. C'est qui le chef de l'équipe? C'est moi le chef de l'équipe. Oui, bah c'est toi qui as financé, c'est tout. C'est un ouf, toi. Je suis quand même ton ouvrier, tu me respectes, j'ai des droits. Justement, et moi aussi j'ai des droits sur toi. Je peux te virer du jour au lendemain. Et c'est qui va aller pointer à Pôle emploi? C'est toi. Ah, j'ai compris, c'est ma couleur de peau. J'étais un esclave, t'avais des droits sur moi. Mais c'est ma couleur de peau, c'est ça. Fuck, mais y'a même pas de coton, hein? De quoi tu me parles? Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Regarde bien, ouais, ma couleur de peau, c'est ça. T'as cru que j'étais un esclave, sale bâtard, va. Ce temps il est révolu. T'as vu ou pas, Shérif Alouna? T'as vu ou pas le twerk? Non. Oh, mais regarde. Ouais. Il est tombé dans mon piège. Allez hop, j'envoie ça à ta femme. T'es dans la merde. Allez, vas-y, envoie. Hôtel Ibis, hôtel Campanile. Deux hôtels pendant 2 semaines. Allez hop, ça dégage. Et il avait les mots. Il avait les mots. Du accro. Et ne voyait pas tomber dans ses bras. C'était un Renoir. Il était tout grand. Bah, c'est vrai que c'était un Renoir, son gars. Ah ouais? Bah oui, il était plus âgé qu'elle. Il avait, je crois, à l'époque, il avait déjà 60 ans. Elle en avait 25. T'es pas au courant? Non, mais t'as quoi contre les Renoirs en vrai? Mais wesh, mais Roya, c'est sa vie. Pourquoi t'es obligé de faire ce détail? Mais on a fini, avec un gars, je crois. Voilà, on a fini. On a fini, on a terminé. On a gagné 3000 euros, Roya. On a fini. Si, Roya, on a fini. Vas-y, viens, on va redéposer les tracteurs, Roya. Roya, est-ce qu'on peut dire que t'es le nouveau Bassem? Et pourquoi tu dis ça, wesh? Et tous mes potes, c'est des Renois. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? T'as pété un câble ou quoi? T'es pour la mixité ou pas? Bien sûr, je suis pour la mixité. Mais Roya, mais ma femme, elle est française. Je crois que je vais dire non. Mais il est con, lui ou quoi? Voilà, c'est bien. Parle ta gueule un peu quand tu parles. Oh merde, je fais un accident. Ha ha ha.
C'est ouf. Et toi, t'es pour la mixité? Bah oui, ma femme, elle est thaïlandaise. Oh, arrête, thaïlandaise. T'es sûr? T'as vérifié ou pas? Mais attends, mais c'est raciste, ça, ce que tu dis. Oh, c'est là, pas raciste, c'est réaliste. Allez, ferme ta gueule. Délire. À bientôt. Salut, mon gars. Mais c'est un délire.